Bonjour, je me présente, je suis le professeur Champiflex, pour vous servir. J'ai passé ma vie à sillonner le monde, à la recherche du pied ultime. Le pied que seul un spécialiste de mon niveau sera guérir. Des montagnes glacées de l'Amérique du Nord au désert aride du Sahara, mon périple s'arrêta non loin de Tchernobyl. Oui, je l'avais trouvé, le Graal, l'apothéose. De la taille d'une petite camionnette, ce pied malade me défiait du regard. Plutôt de ses ongles. Mais au fond de lui, une voix murmurait : Professeur Champiflex, délivrez-moi du mal. Telle était sa destinée, et je devais l'accomplir. Bienvenue chez Toonie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Ashiwash. On va devoir nettoyer un gros pied dégueulasse. Et pour ce faire, nous avons différents outils à disposition. Je vais vous en faire un petit tour. Alors, on a cette petite tapette à mouche. Oui, tapette à mouche. Qui sert bien évidemment à niquer les mouches. Je n'y arrive pas. On a cette grosse paire de cisailles qui nous permet de couper ses ongles. qui sont plus que grands. Alors, je vais essayer d'en avoir un. C'est pas facile parce que ça bouge un peu. Ah! Oh la vache, putain, mais il est énorme ce truc, c'est quoi? C'est pas un ongle ça? C'est une planche de surf. Allez, on va essayer de s'en faire un autre. Professeur Champiflex n'arrive pas à couper les ongles. Alors on a aussi cette petite pioche qui peut nous servir à enlever ce qu'on appelle les callosités, les amis. Les callosités. Paf. Alors il suffit de piocher comme dans Minecraft, et puis ça s'en va. Voilà, c'est magique. Mais alors que sera un professeur Champiflex à son plus haut niveau sans sa bombe chimique pour retirer les champignons? Alors bien sûr, à appliquer avec parcimonie, parce que c'est très toxique. Regardez la puissance et l'efficacité du jet. C'est extraordinaire. Putain, mais les mecs, ils ont même fait un petit balcon pour admirer la beauté de ce truc. Enfin, je sais pas si on peut parler vraiment de beauté à ce niveau-là. Mais franchement, qui a créé ce jeu? Quelqu'un pourrait me donner la réponse? En fait, je fais pas mal de jeux où je crois que les mecs prennent beaucoup de drogue. Non mais c'est quand même hyper improbable. Vous avez un pied énorme qui est absolument dégueulasse avec plein de champignons dessus et des espèces de croûtes avec des mouches qui lui volent autour. Et le but étant de lui enlever toutes ces merdes en fait. Voilà où on en est en 2016 les potes. Voilà où on en est. Il y a peut-être moyen d'accéder sur le pied de... Ah non, j'ai raté. Regardez, je suis sur le balcon, on va essayer de rentrer sur le... Oh mon dieu, on est dedans. Ah mais c'est dégueulasse, regardez, il est vide le truc. Là, ils se sont même pas fait chier à mettre un couvercle quoi. Enfin si on peut parler de couvercle, hein, vous aurez compris. Ils ont même mis des tableaux de haute qualité, on peut le dire, de haute qualité. Non mais la musique est vraiment bien. Ugh, I'm still filthy. Now we gotta smash your house up. Them's the rules. Quelle est cette voix d'outre-tombe? Ah bah j'ai perdu. Merde. Bon. I'm a big nasty foot in your house. Guess what? It's your day to clean me. Get cracking. Bon, c'est pas le tout, on a une mission à accomplir. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va aller prendre l'espèce de bombe à chiottes et on va retirer tout ce qui est petit champignon de type vert. Alors on va s'attaquer par ce petit... Ah non, c'est pas ça le champignon, je suis con, c'est le truc vert. En plus, je viens de le dire il y a deux secondes. Voilà, toi tu dégages. Toi mon pote, toi je vais te renvoyer dans la forêt, là d'où tu viens. Allez, extermination des champiflex. Je suis le professeur Champiflex. Je détiens le pouvoir ultime pour éradiquer les champignons de cette planète. Je suis en train de péter un gros câble sur ce jeu. Bon bah maintenant on va s'attaquer aux ongles parce que je pense qu'il y a un peu de travail à faire là. Allez, bah, voilà. Allez, et deux, trois. Allez, troisième. Le troisième. Putain mais arrête de bouger connard. Voilà. Non mais qui fait ça avec ses pieds? Personne. Là t'es un vautour là qui essaye de s'accrocher à une branche. Je suis désolé. Voilà. C'est bon, les ongles, c'est fini. On va s'attaquer aux mouches. Les mouches. Et après, on finira par les callosités, les amis, les callosités. Oh merde, j'avais oublié, il restait un champignon sur le pied. C'est pas grave. On va niquer les mouches d'abord. Voilà, et mourir. Putain, mais c'est vraiment une passion pour moi de nettoyer les pieds. Et là, je ne peux pas faire mon métier correctement. Je suis outré. Bon, tant pis, on abandonne les mouches. On va aller supprimer le dernier petit champlard qui est sur le panard. Oh putain, ça arrive en plus. Je suis à fond. Do it yourself. Oh yeah. On va peut-être pouvoir remporter la victoire. Putain mais ça rime encore, mais je n'arrête pas les rimes. Je suis un vrai poète. Mais regardez, elles veulent pas crever. Regardez, elles veulent pas crever. Ah voilà. Il fallait que je le dise pour qu'elles meurent. Oh putain, il reste 20 secondes. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Non mais comment tu veux l'avoir celle-là? Elle est entre le haut et le bas.
Non, allez, allez. Voilà, il en reste une. Une putain de mouche. Non, il reste une mouche. Il reste une seconde. J'ai perdu. On recommence. Guess what? It's your day to clean me. Get cracking. Oh yeah. Bon bah cette fois-ci, on va s'attaquer aux mouches en premier. Parce qu'elles sont vraiment casse-couilles, ces putains de mouches. Cette fois-ci, ils ont mis qu'une mouche. Ça apparaît de manière aléatoire, les... J'arrive pas à parler, j'arrive pas à finir ma putain de phrase. Bon, on va faire les ongles, on va passer à autre chose. Et le dernier. Mais viens là, putain. Voilà. On a fini avec les ongles. Oh la vache. C'est bon, on a la pioche. Allez, on tape ça. On Minecraft à mort. Minecraft à mort. Minecraft. 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 Non, pas ici. Là, Minecraft. Voilà, très bien. Là, Minecraft. On est bon là, il reste plus que les champignons. Je vais aller chercher la bombe à chiottes. Et peut-être que la victoire est au bout du tunnel. Voilà. Bye. C'est bon. Je l'ai nettoyé complètement. Y'a that alright, kid. Sur cette victoire de Professeur Champiflex, les amis, je vous dis au revoir. Et c'est ainsi que partit Professeur Champiflex dans son vaisseau spatial à travers l'univers. La légende dit qu'il mourut d'une mycose radioactive et que plus personne n'entendit jamais parler de lui.